Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mar Arabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. J'espère que tant bien que mal, vous avez passé une belle, belle journée. Il est 19h09, minutes passées en Algérie. Merci pour votre fidélité. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On va essayer de rattraper ce petit retard et donner tout de suite la parole à nos invités. Ce soir, nous parlons d'une actualité, d'une thématique qui malheureusement fait le quotidien des Algériens et des Algériennes maintenant depuis plusieurs années. Depuis plusieurs décennies, on va revenir sur cette révolution, ce harak, ce mouvement qui est maintenant en place depuis février 2019, justement pour qu'une Algérie demain se lève en toute liberté. Liberté des droits, liberté d'expression, un état de droit. On en parle ce soir, voici le titre de l'émission, Algérie 2. État de droit, liberté, droit de l'homme, c'est la thématique principale de ce soir. On reviendra sur ces détenus, ils sont plus de 300, on compte 7 femmes. Aujourd'hui, certains sont en grève de la faim, certains ont totalement perdu conscience. Hier encore, des avocats ont vraiment fait appel afin que leurs détenus soient libérés et soient soignés. On écoutera tout à l'heure le président Abdelmadjid Tebboune qui nous parlait il y a quelques jours en nous disant, je cite, « Il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie ». Il parle d'un mensonge du siècle, on l'écoutera bien évidemment tout à l'heure. On reviendra aussi sur cette grande journée. Le rapporteur des Nations Unies était prévu pour parler, évoquer de liberté, des droits de l'homme en Algérie. C'était prévu le 12 septembre dernier, encore une fois pour la 8e, la 10e fois. Ce rendez-vous a été reporté. On essaiera aussi de comprendre pourquoi une nouvelle fois, même si on en a parlé. Voilà ce que dit Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Le gouvernement algérien ne souhaite pas assumer ses engagements devant les mécanismes de l'ONU, notamment en termes de protection des droits de l'homme. Il rajoute aussi que le report de la visite du rapporteur de l'ONU en Algérie n'est qu'un refus déguisé du pouvoir, tellement les violations des libertés publiques sont flagrantes, dit-il. Que dira le pouvoir algérien, le président Abdelmadjid Tebboune devant le rapporteur, d'autant qu'il a prévu de rencontrer des acteurs politiques et associatifs autonomes. C'est ce qui était prévu notamment pour le rapporteur. On reviendra aussi sur un état de droit. Y a-t-il un état de droit en Algérie comparé peut-être à un état de droit comme en France? On reviendra notamment sur cette justice qui a refusé justement et qui a émis un avis défavorable hier, donc mercredi 21 septembre, à des demandes d'extradition, notamment donc vers l'Algérie, notamment celle du blogueur et opposant politique Amir Dezed, installé en France depuis 2016. Amir Dezed, de son vrai nom Amir Boukors, était réclamé par Alger qui a émis 9 mandat d'arrêt internationaux. C'est un échec, certainement. On essaiera de comprendre pour l'Algérie, pour le pouvoir algérien en tout cas, qui a demandé son extradition. La justice française a refusé. Pourquoi? On essaiera de comprendre. Est-ce qu'elle comprend aujourd'hui qu'il n'y a pas de raison spéciale pour notamment faire en sorte que, entre autres, Amir Dezed, mais il y a beaucoup de personnalités, personnes politiques opposantes comme Hicham Aboud, Farhat Mahni, entre autres, Yahya Mkhriouba, qui sont demandés donc à être extradiés par le pouvoir algérien. Et puis encore état de droit, plus de 600 migrants originaires d'une dizaine de pays africains sont arrivés dans le nord du Niger après avoir été refoulés d'Algérie. On essaiera de comprendre aussi pourquoi l'Algérie est amenée directement comme ça à refouler des migrants sans peut-être prendre en compte leur situation. Et c'est lié à un état de droit. On y revient avec nos invités. Sur le plateau, Abdelaziz Ouddaali, bonsoir, militant politique. Et vous êtes fondateur, en tout cas porteur d'une nouvelle fondation pour l'Algérie. Vous allez nous en parler. Bonsoir, Abdelaziz Ouddaali. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et donc, il s'agit de LFPA, la Fondation pour l'Algérie, qui démarrera avec un statut associatif. Donc, c'est au futur immédiat, parce que nous la souhaitons, en toute transparence, se construire. Elle n'est pas née avec des moustaches. Merci. Avec nous, Youssef Amar Khodja. Bonsoir, Youssef Amar Khodja, activiste politique, opposant, hirakiste aussi, maintenant depuis le début. Bonsoir Chavan, bonsoir à toute l'équipe de El Mar Arabia et bien sûr à nos compatriotes de l'intérieur et d'ici. Merci. On devrait avoir avec nous Azdine Toumi en direct d'Algérie. Est-ce qu'Azdine Toumi est avec nous? Bonsoir cher Azdine Toumi, opposant politique.
Bonsoir, cher ami Chabin. Bonsoir à tous tes invités sur le plateau et sur par téléphone. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous avons avec nous Maître Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme et de Riposte internationale. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Chabin. Bonsoir aux invités, aux téléspectateurs de Maghrib. Assalamu alaikum. Merci d'être avec nous. Messieurs, avant d'entrer dans la thématique, on va essayer d'avoir des échanges très, très dynamiques. Il est 19h, bientôt 15 minutes. On va regarder ici, puisque hier, c'était la rentrée pour 11 millions d'élèves en Algérie. C'est lié à la liberté. Les écoles étaient hier matin prises, peut-être envahies pour certains. C'est la question qu'on se pose. Pour certains, c'était de l'assurance, de la confiance, de la sécurité. Mais pour certains, c'était de la militarisation encore du pays. Peut-être un conditionnement à la subordination de l'armée. Peut-être créer aussi des intimidations, des frayeurs auprès des plus jeunes âges. On imagine les enfants le jour de la rentrée avec leur petit cartable, tout petit, arriver en élémentaire et avoir des militaires, des généraux dans la classe. Ça peut créer panique. On va regarder ces quelques images et nos invités vont réagir notamment à cette présence hier des services de sécurité, notamment de l'armée dans les écoles. Voilà, des images qui parlent d'elles-mêmes, dans quel sens. Une grande première pour l'Algérie. On a vu dernièrement une armée de plus en plus présente auprès des sportifs. Le chef d'état-major Saïd Chengriha qui s'est vu recevoir l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger. Pourquoi lui et pas le président de la République? On voit aussi des militaires, des généraux inaugurer des piscines, par exemple. Une présence forte. Et là, maintenant, c'est dans les écoles. Il y a même des véhicules, notamment militaires, qui ont transporté des élèves vers les écoles hier matin. Azdine Toumi, je vais commencer avec vous, puisque vous êtes en Algérie. En 2-3 minutes, qu'est-ce que vous évoque cette… vous êtes algérien, vous vivez en Algérie. Comment d'abord, est-ce que vous avez eu des réactions de cette présence de l'armée, des militaires, des services de sécurité? Puis on a tout eu, les gendarmes, la police, les pompiers, l'armée. Ça peut être la panique dans le cerveau d'un enfant. Comment vous jugez cette présence? C'est de l'assurance, de la confiance, de la sécurité? C'est bien pour le peuple ou au contraire, c'est de l'intimidation, c'est une militarisation, pour aller un peu droit dans le but, dans la question. Rebonsoir une autre fois. Au-delà des images que veut montrer le pouvoir, ces images de rassurer le peuple que toutes les institutions de l'État sont impliquées dans tous les secteurs, or qu'un secteur comme l'éducation, et d'autres secteurs notamment, ceux qui relèvent de la politique, de l'économie, de l'enseignement supérieur, de la médecine, etc., doivent être soumis à des règles et à des théories scientifiques, des fois à des institutions civiles, politiques, etc. Il ne faut pas tout mélanger avec la volonté de rassurer ou de renvoyer peut-être même des messages pour l'extérieur. Aujourd'hui, si on prend le secteur de l'éducation, 11 élèves auxquels on souhaite bien sûr une bonne rentrée, mais et moi, étant ici en Algérie, je vois la difficulté d'abord des parents d'élèves qui ont des difficultés même à se procurer les affaires scolaires, chose qui concernait une partie de la population avant, mais maintenant ça touche tout le monde. Les gens, ils cherchent les bonnes affaires, ils cherchent les soldes et la cerise sur le gâteau. Comme en Algérie, nous sommes
C'est comme si c'est une fatalité, notre destin, entre Kanon Arhma, Matam Arhma, et maintenant c'est Sok Arhma, Paras Arhma, parce que le pouvoir, au lieu d'agir pour améliorer le pouvoir d'achat des parents, et réagir dans ce sens-là, et il crée Sok Arhma, c'est le, je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, mais des marchés de la miséricorde. De la miséricorde de qui? De ce pouvoir, bien sûr. Donc, vous voyez l'état où, et aujourd'hui, la difficulté dans le système éducatif, au-delà de ces difficultés socio-économiques aussi, l'état, le statut de l'enseignant, les programmes qui se changent chaque année, comme on n'a pas une stabilité dans le programme. Donc, vous voyez ces difficultés, elles ne relèvent pas d'une quelconque institution sécuritaire. Ça relève beaucoup plus de domaine du scientifique, de la recherche et du politique. Merci Azine Toumi, restez avec nous. Maître Rahmoun, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, c'est un nouveau pas pour la sécurité en Algérie, c'est un accompagnement du peuple, c'est effectivement peut-être aussi montrer à l'extérieur, à l'international, que toutes les institutions sont présentes auprès du peuple, ou cette présence hier matin qui fait encore parler d'elle, c'est quoi? C'est une militarisation, c'est pour montrer une certaine domination, une certaine subordination, et puis surtout, est-ce que c'est pas trop tôt aussi? Ça, c'est une question aussi qui se pose, parce qu'arriver le matin à l'école en voyant toute cette armada de véhicules, d'armées et de police et puis d'instituteurs, ça peut faire peur et être déstabilisateur pour les élèves. Oui, tout à fait. Je pense que dans le débat ou la question comme elle a été évoquée par vos soins, il y a deux mots qui nous guident vers un adage algérien qui dit « Hammi dhahak, hammi baki ». Assurer ou rassurer. Rassurer, c'est quand on est dans un pays en état de guerre. Rassurer les parents d'élèves, rassurer les élèves quant à leur intégrité physique et morale, psychologique. Il s'agit d'élèves, des enfants de bas âge qui affrontent réellement la rentrée scolaire en état de guerre. Qu'ils peuvent se sentir en sécurité. Et assurer, ça relève beaucoup plus de l'émancipation. Et l'émancipation, pour un enfant de bas âge, c'est imaginer, c'est rêver, c'est jouer, c'est s'épanouir, c'est être en contact physique, mais aussi en contact pédagogique avec le corps enseignant, avec le corps pédagogique, avec ses camarades de classe. C'est ça l'ambiance que vit l'enfant de nos jours. Donc, ce traumatisme, c'est à la belle que Chaban, je vous dis une chose, en Algérie, le mot, c'est devenu un mot vulgaire quand on dit Saha Aïdek, à l'occasion de deux Aïds, Aïd al-Adha ou l'Aïd Sarira. Juste après le Ramadan, c'est la fête des sucreries. C'est pas très convaincant quand on dit Saha Aïdek. L'Aïd al-Adha, c'est la fête des protéines. C'est pas aussi rassurant de dire Aïd Saïd, Saha Aïdek, qui est en fin de compte un mot qui n'est pas très convaincant. Bonne rentrée pour nos élèves, pour nos petits loulous, nos petits titis, nos petits gavrochards. C'est aussi un mot vulgaire, parce qu'ils sont en train de vivre un traumatisme. Le traumatisme qui prépare des générations futures, est-ce que va être l'État dans le futur? C'est toujours la continuité du régime, un État militaire, un État où les forestiers, les pompiers, la protection civile, les gendarmes, les policiers, les militaires, tout corps confondu avec une armure ou avec une tenue officielle qui fait office de sécurité, mais qui n'est pas sécurisante. Mmh. C'est une sécurité sécuritaire, c'est un traumatisme pour nos enfants. Je reviens à vous. Ailleurs dans les autres États, on prépare les enfants à s'occuper de leur terre, à bricoler avec leurs mains, avec leurs esprits, à innover, à imaginer et à rêver.
Merci. C'est bien effectivement d'avoir ajouté ces quelques mots. Avec nous sur le plateau, Youssef Amar Hodja, vous avez vu ces images, une rentrée scolaire avec cette armada de tous les services de sécurité. Alors les uns et les autres, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand on est tout petit, pourquoi? Alors ça peut arriver encore une fois dans un système d'éducation où dans l'année, il y a de la prévention avec les pompiers, peut-être aussi en visitant une caserne, voir un peu ce que c'est que le métier de militaire, de faire de la prévention, aussi de la pédagogie avec un processus organisé, un programme avec la maîtresse ou le maître. Mais là, hier matin, en Algérie, ça a tapé fort tout de même. Comment vous réagissez à ça? Vous êtes satisfait de cette présence, vous? Je suis tout à fait d'accord avec les compatriotes qui viennent de dire que c'est une honte et c'est une intimidation claire et nette qui pourrait même traumatiser les enfants. Ce qui est malheureux, c'est que ce genre de comportement est aussi un message pour intimider le corps enseignant et les familles. Nous avons entendu parler des syndicalistes qui voulaient organiser une grève à la rentrée, donc le 21 hier. Et visiblement, on a forcé les choses pour dire stop, nous sommes dans un état militaire, pas civil du tout. Justement, la sphère civile, ils viennent de la démontrer qu'elle est de plus en plus rétrécie, donc ils sont en train de repousser tout ce qui est civil dans la République algérienne pour la rendre complètement militarisée. Je vais vous citer juste un exemple. On a été avec plusieurs de nos compatriotes du Hirak à Genève. Oui. Et le 17, donc le samedi 17, on s'est rendu, c'était vraiment très très bien organisé, et c'était justement pour notre sujet d'aujourd'hui, pour les droits de l'homme et pour demander la libération des otages d'opinion au pays. Sachez que les règles qui nous ont été imposées par les autorités cantonales de Genève, c'est de ne pas laisser les enfants lire nos pancartes ou de les influencer politiquement. C'est-à-dire qu'un enfant, pas seulement les enfants, les mineurs, si un enfant vient à notre manifestation, si quelqu'un essaie d'expliquer ou si on laisse même l'enfant lire les pancartes politiques, on pourrait être poursuivi. Voici la différence entre un état de droit peut-être. Un état de droit et qui pense à l'avenir des enfants, à les préserver de toute influence idéologique, politique, et que dire de l'influence des militaires et des policiers qui donnent l'impression que le pays est en guerre. Il y avait eu cette polémique aussi, hein, si je ne me trompe pas, en France, dans le cadre des Gilets jaunes, où il fallait aussi préserver notamment les enfants de toute cette armada de manifestants qu'il y avait derrière le président français. Abdelaziz Oulda Ali, voilà, vous êtes algérien, vous êtes parent aussi. Quand vous voyez hier matin cette rentrée un peu particulière, vous êtes heureux de voir vous, ces enfants, assis et puis derrière avoir des... Dites bien, des militaires. Vous dites bien, Chaban, par rapport aux enfants. Donc la question. Pour commencer, en tout cas, après, oui, peut-être qu'il y a un message. Oui, la question. Au pays. La question la plus objective, qui doit être prise au sérieux par le pouvoir de fait, c'est quel effet cela fait-il sur les enfants? Donc, vous voyez que je ne commence pas par les hypothèses et les ouvertures pour traiter de façon systémique par rapport à ce qui se passe, et c'est su. On n'accueille pas les enfants avec les pompiers bienveillants, avec la police, avec la gendarmerie, avec l'armée. C'est le corps pédagogique qui les accueille, et la logistique, et les supports, l'administration qui montre une organisation dans la société qui prend en charge les enfants. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire qu'effectivement en ayant cette présence, les ministères, le pouvoir algérien ne s'est pas posé cette question en disant quel impact positif ou négatif, qu'est-ce que ça peut créer dans les mois à venir, dans les années à venir auprès des enfants, peut-être les conditionner, peut-être… Sur ce registre, je suis prêt à débattre avec des représentants du pouvoir de fait, objectivement, dans le respect. Donc l'idée pour les enfants, puisque on va centrer sur l'avenir de l'Algérie, sur les élèves, c'est le corps pédagogique
qui embarque toute la didactique et la formation en question, pour en faire des citoyens, pour en faire des cadres, pour en faire ce que les objectifs de l'école sont faits, et c'est à traiter, voilà, des sujets sérieux, et pour l'administration, si je puis dire, donc de montrer que voilà, ils sont pris en charge, les salles sont là, ils ont des emplois du temps, ils ont le matériel, où je peux glisser. Alors moi, pour vous, le message hier matin, les conséquences, le message, est-ce qu'il n'y a pas un message direct? Mais justement, quand je dis j'interroge, ça veut dire que j'appelle, j'ouvre ça, parce que je voudrais qu'il y ait réaction du pouvoir. Parce qu'effectivement, si on traitait de façon systémique nos camarades militants, et nous sommes tous pour l'Algérie libre et démocratique, égalitaire, libre comme son amazirité l'exige. Et tout cela, les Algériennes et les Algériens sont d'accord. Il y a coercition du peuple. Comment ne pas imaginer que les gens ressentent ça, que c'est un lien direct? Pourquoi est-ce que les militaires accueillent les élèves? Je le dis très clairement. L'armée, elle est, c'est une institution algérienne. Qui m'a moelle fait une goulou, les militaires, les familles, donc l'armée, c'est même nous qui la protégeons. Notre armée comme institution. La police, c'est le service d'ordre, maintenir l'ordre. Par exemple, j'ai lu sur Constantine, vous savez, ma ville de cœur, mais les 1541 communes, j'aimerais qu'elles soient toutes meilleures les unes que les autres. J'ai lu tout ce qui se passe comme incivilité en plein centre-ville de Constantine. Voilà un rôle de la police, clairement, pour qu'il y ait des citoyens. Les enfants, parce qu'on peut aller loin dans cela. Donc, je ne suis même pas pour la présence des pompiers le premier jour. Je ne suis pas du tout pour la présence des militaires, et je dirais comment ils peuvent intervenir pour qu'il y ait des formations pour les lycéens, pour leur montrer qu'on peut faire de l'aviation, qu'on est à un niveau où on se reconnaît nous-mêmes, mais que dans 20 ans l'aviation sera autre, on y reviendra. Donc l'armée, c'est non, absolument, même pas les pompiers, les policiers, le service de l'ordre, et aussi de proximité. Ça peut être, mais vous l'avez dit très sommairement, mais c'est vraiment, vous l'avez très bien dit, Chabanne, vous avez dit que c'est, il peut y avoir des actions dans la citoyenneté, les interventions, des activités socio-culturelles, sportives, avec des écoles et d'autres montées, avec les équipes pédagogiques. Préparés, en tout cas. Quatrième, c'était qui déjà? Donc les policiers. Est-ce qu'on a fait le parcours? Parce que la gendarmerie. Alors la gendarmerie, c'est oui et non, comme les policiers par contre. C'est non en tant que militaire, c'est oui dans leur rôle lié au fonctionnement de la police, donc au maintien de l'ordre et à la proximité. Ça peut être bien. En fait, pour dire je vous quoi, laisse terminer là-dessus. Quand bien même, c'est la dernière phrase sur ce point, j'ai laissé l'ouverture d'un débat avec le pouvoir de fait par rapport à cela, pour mieux faire l'école et les citoyens qu'on ouvre, et non pas le contraire, mais pour dire... je m'arrête là parce qu'effectivement, ça peut ouvrir sur beaucoup de considérations. L'idée de l'école, ça passe par la pédagogie, ça passe par l'administration. Merci pour cette réaction. Je reviens vers vous dans un instant. C'est juste pour essayer aussi d'avoir un temps de parole et qu'on puisse vous retrouver rapidement et que votre temps de parole ne soit pas utilisé dès le départ. C'était un démarrage, mais ça fait partie aussi de la liberté. La liberté de s'exprimer, d'aller à l'école tranquillement, de se déplacer dans son pays. Je voulais absolument faire réagir mes invités sur cette actualité hier matin dans les écoles. On va écouter ici le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui nous dit clairement que les détenus, c'est un mensonge du siècle. الحسنة موجودة إلا المنتخب من طرف الشعب النائب ولا العضو ولا الشمة وداخل قبة البرلمان فقط سيطر. Azine Toumi, toujours avec nous, je reviens à vous, c'est à votre tour. La liberté, les droits pour vous, état de droit, les droits de l'homme, la liberté en Algérie,
En quelques mots, la situation, si vous aviez un état des lieux à faire comme ça, à chaud, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Parce qu'on essaie aussi de comprendre et de proposer aussi à nos téléspectateurs une certaine réalité. Vous êtes en Algérie, vous connaissez ce pays, vous connaissez les conditions de vie des Algériens et des Algériennes au quotidien. D'abord, le premier constat, c'est de se dire qu'il y a régression en termes, en matière de droits de l'homme et des libertés en général. Et la régression par rapport à quoi, me diriez-vous, mais par rapport à toutes les décennies passées. Jamais l'Algérie, à ma connaissance, n'est arrivée à autant de détenus au même moment, des femmes de tout type d'âge, toute catégorie d'âge, pardon, et de sexe différent, etc. Donc, aujourd'hui, il y a des détenus d'opinion en prison. Il y a des cas de détenus qui sont en danger de mort. Les détenus qui sont en grève de la faim. Il y a le détenu de Batna Brahim Toulmid qui a, par l'avis des avocats et apparemment même les médecins, on dit qu'il a ses capacités mentales sont largement dégradées. Il est toujours en détention, plus d'une année déjà. Il y a six femmes en prison aujourd'hui. Comment peut-on se permettre tout ça? Aujourd'hui, toutes les lignes rouges sont franchies et le pouvoir est en train de d'aller dans cette logique de tout réprimer, de tout sécuritaire. Ça a toujours été... Azine Toumi, selon vous, ça, alors vous êtes encore jeune, mais vous avez une certaine expérience de vie tout de même, ça a toujours été où il y a une recrudescence maintenant depuis notamment peut-être l'arrivée de ce Hirak, ou ça a toujours tout de même été, on sait que depuis des décennies, il n'est pas facile en Algérie de s'exprimer ou de faire de la politique, mais selon vous, est-ce que cette dégradation, elle date depuis plusieurs années, et quelles sont réellement les causes? Est-ce que c'est les pouvoirs qui ont évolué? Ce sont les chefs d'état-major qui ont changé? Est-ce que c'est la fin de l'ère d'Abdelaziz Bouteflika et l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir? Je pense que le pouvoir se carroyait à l'abri sous le règne de Bouteflika. Il carroyait qu'il avait le contrôle de la rue, qu'il avait le contrôle du champ politique, ils avaient leur parti politique, ils avaient leur opposition à eux-mêmes, ils avaient leurs syndicats, notamment l'UGT et autres, ils avaient leurs associations, etc. Ils se carroyaient à l'abri, et le choc, le séisme qui est entre guillemets, le Hirak, a mis à nu toute la fragilité du pouvoir qui finalement n'avait de force que comme ça d'image et de propagande, mais réellement il était prêt à se désagréger à n'importe quel moment au moindre problème, et ça a coûté, la facture était trop chère pour le pouvoir lui-même. Il y a des hauts responsables, des ministres, des premiers ministres, il y avait même des personnes qui avaient les pouvoirs d'un président qui se sont retrouvés en prison, des hauts cadres des services de sécurité, etc. Donc après, le pouvoir, il a décidé peut-être et certainement de faire tout à fait le contraire, de ne plus donner la chance à l'opposition d'exister, à la contestation d'exister. Et c'est pour ça qu'il a opté pour la fermeture et il a promulgué un arsenal de juridique pour se donner la légitimité pour réprimer, pour faire taire et pour essayer d'anéantir l'opposition. Merci. Cette question, elle est importante, cher ami Chaben, parce qu'elle revient tout le temps. Les gens se posent la question, où est l'opposition en Algérie? Pourquoi les gens ne parlent pas? Pourquoi il n'y a pas de réaction? Où sont les partis politiques, etc.? Et vous voyez qu'il y a d'abord beaucoup de personnes qui ont choisi de quitter le pays par peur de répression, par peur de représailles. Et les personnes qui sont restées ici, c'est beaucoup plus de la résistance. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'espace
où les gens peuvent se rencontrer. Les partis politiques qui ont 30 ans d'existence avec leur agrément sont en train de subir les répressions. On en parle effectivement. Au-delà de l'emprisonnement, il y a les poursuites judiciaires. Combien de militants aujourd'hui qui sont interdits de quitter le territoire national, qui sont encore des affaires en justice et qui ont des convocations en cours, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'espace pour exercer de la politique et l'objectif du pouvoir, c'est d'anéantir l'opposition en Algérie et de faire taire toutes les voix qui peuvent s'opposer à ce pouvoir et menacer son maintien. Merci Azid Toumir. Restez avec nous tout de même. Je pense que j'aurai le temps de revenir vers vous. Maître Rahmoun, bon, je crois qu'il y a un bilan et un constat qui vient d'être fait par Azid Toumir, hein, qui est d'ailleurs que vous connaissez, si je ne me trompe pas, et qui est militant, qui est en Algérie, qui connaît aussi la situation. Vous pouvez effectivement en rajouter quelques mots sur un peu cet état des lieux et sur cette dégradation. Mais pour aller droit au but, aussi, hier, l'Algérie peut-être a pris peut-être une gifle avec la décision de la justice française qui, je le rappelle, donc, a émis un avis défavorable sur l'extradition de Amir Dezed, dit Amir Bouhors. Comment vous analysez cette situation? La justice française a compris qu'en Algérie, tout le monde, quelque part, peut être comme ça, appelé à être extradié d'un pays, à se faire emprisonner, tout simplement parce qu'il s'est exprimé? Oui, tout à fait. Ben, premièrement, il s'agit de mandats d'arrêt émis par un tribunal militaire, faut-il le rappeler, qui est un tribunal d'exception. Vous m'entendez ? Très très bien, très très bien. Très bien. Donc il s'agit de plusieurs mandats d'arrêt émis par un tribunal militaire qui est un tribunal d'exception. Et dans les pays où le règne du droit fait office de fonctionnement de cette institution, de ce pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, les États comme le nôtre, qui un État, je dirais un État voyou, à la limite de l'entendement, les États démocratiques ne reconnaissent plus les mandats d'arrêt émis par les tribunaux militaires. Ben, effectivement, notre système politique et notre régime politique, qui a sous sa houlette la justice, qui est en fin de compte qu'un épouvantail qui sert de pouvoir dans le standard républicain international, expliquant la philosophie républicaine dans le standard international où il y a séparation de pouvoir, etc. Le tribunal militaire n'est pas reconnu. Les mandats d'arrêt émanant d'un tribunal militaire ne sont pas reconnus à l'échelle internationale. Ça, d'une part. D'une autre part, je voulais rebondir parce que l'affaire Amir Bouhors dit Amir Bezet, contrairement à ce que vous dites, Chaban, est un activiste, est un blogueur, est un youtubeur. Dernièrement, on a appris qu'il a eu son diplôme de journaliste d'investigation dans un institut allemand. Il se trouve que cet activiste révèle à l'opinion nationale et internationale des vérités qui comblent la vie politique, la vie institutionnelle et la vie du régime militaire qui gère l'État réellement. Il se trouve que la justice française, qui est une justice indépendante, bien sûr la dépendance de la justice, et ça c'est dans tous les pays du monde, est relativement correcte. Parce qu'on ne peut pas imaginer, dans le concept de l'impunité internationale, la justice n'est pas indépendante. Et ce, dans tous les pays du monde. Relativement, sur ce cas, qui est le cas d'un blogueur, d'un lanceur d'alerte, on peut l'appeler comme on veut, mais il s'agit d'une personne qui assume pleinement ses faits et actes. La justice française, elle a estimé que cette personne, en cas d'extradition,
en cas de remise physique de cette personne, contrairement à l'Espagne. L'Espagne a démontré que c'était un pays corrompu, que c'est un pays qui accepte toutes les injonctions de tous les pays dictatoriaux, que ce soit à l'ouest de l'Europe, au sud de l'Europe, au nord de l'Europe. C'est un pays qui est, en fin de compte, un pays voyou comme le nôtre. Merci, maître. Merci, maître. Laissez-moi terminer, oui. Chabin. Oui, je voudrais juste, en fait, que vous pensiez aux deux autres invités qui sont sur le plateau, mais allez-y. Je vous en prie. Donc, je voulais dire, en fin de compte, que la justice française a su rétablir Amir Dezel ou l'Amir Bokhars dans ses droits de demandeur d'asile d'une personne qui est en danger en cas d'extradition. Ce n'est pas le même cas pour l'État espagnol, pour le Royaume espagnol. C'est ce que vous disiez, oui. Qui avait extradé deux activistes qui ont déserté l'armée algérienne. Merci, maître. Merci. Fonctionnement. Merci infiniment, maître. Merci, merci d'avoir été avec nous, maître Issa Rahmoun, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Messieurs, une réaction sur cette liberté d'expression, cet état de droit, cette affaire aussi d'Amir, entre autres, l'exemple est là, c'est Amir Buchholz, mais en tout cas, la France, c'est certainement une gifle pour l'Algérie. Puis Macron, il y était en Algérie, certainement, il a dû négocier, mais la justice française a compris que l'Algérie, c'était pas en termes de justice et d'état de droit, c'était pas ça. Je reviens à vous, c'est à votre tour. Allez-y, le temps passe vite. Vas-y, merci. Alors, moi, je pars de l'idée déjà de transparence, c'est-à-dire je ne parle que de ce que je sais. Mm-hmm. D'ailleurs, toute action de cette association et fondation dont on parlera sont toujours portées par l'idée de la transparence et des libertés. Donc, en toute transparence, un juriste peut très bien détailler un certain nombre de considérations, mais moi, je pars de l'idée que je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. En revanche, la France, bien sûr, prouve qu'il y a, on dit relative, mais je le mets entre parenthèses, qu'il y a indépendance de la justice. Maintenant… Mais est-ce que quelque part, cette France, elle ne prend pas position? N'hésitez pas à réagir. Oui, on peut le faire. Youssef Amal Khodja, est-ce que cette France, quelque part, elle ne se dit pas aussi dans le fond, ok, on y va, on va négocier des contrats de gaz, par exemple, peu importe, mais on a compris qu'il y avait plus de 300 détenus, on a compris qu'il y avait une liberté d'expression, c'est pas ça, Facebook. Je pense que c'est très intéressant d'en arriver là, de parler de cela, mais d'abord, je pars de l'idée que la France, effectivement, voilà la différence entre un état de droit comme la France où la liberté, où la justice est indépendante. Je mets entre parenthèses les relativités des choses. L'Espagne l'est moins, mais c'est relatif et c'est un état de droit quand même. Il n'empêche qu'il y a toujours des intérêts qui priment, y compris pour la France, et je vais venir à cette considération. D'abord, en parlant de liberté, puisque j'ai évoqué la transparence, je parle de liberté dans le même cadre, dans le même sujet. Le rapporteur spécial des Nations Unies, donc sa visite a été annulée encore une fois, reportée par l'Algérie pour la énième fois, et il venait par rapport au droit et à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Parce qu'il est impératif pour que l'Algérie soit en sûreté, en sécurité, et puisse être libre et démocratique, qu'il y ait une volonté de permettre qu'il y ait débat démocratique, qu'il y ait réunion, que les gens puissent s'exprimer en toute transparence. Il est impératif d'avoir ces libertés-là. Après, je reviendrai sur… Je voulais justement, parler de la France et de son cas aussi, pour relativiser. Sur cet état de droit aussi, et puis… cette Algérie qui, quelque part, tout de même, s'isole peut-être un peu en termes de liberté. Est-ce que les ONG, les associations, certains pays aussi ont compris, l'ONU qui s'exprime, les grandes ONG, Amnesty International, certains députés européens ont compris, le constat est là, et il y a une prise de conscience aussi, notamment. – Je crois que tout a été dit dans la déclaration du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, donc… Mm-hmm. Que les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Algérie sont violés quotidiennement. Donc le cas de notre compatriote Amel Dized
n'est qu'un énième cas par rapport à ce qui s'est passé déjà avec Mohamed Abdallah et Ben Halima Mohamed Azouz. Mmh. Donc ce sont, on voit, comme vient de dire notre ami Abdelaziz, c'est que les pays démocratiques qui se respectent, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que le président Macron a été à Alger pour négocier un pacte géostratégique sur la sécurité, pour bien sûr limiter l'intervention de Poutine en Algérie, donc c'est la ligne rouge. Il voulait surtout ne pas voir les Russes, les militaires russes arriver pour faire des entraînements sur nos frontières ouest avec le Maroc. Et surtout pas, vous avez vu que contrairement à ce qu'on pense, la visite de Macron, c'était une visite pour Oran, mais pas pour Alger. Pour Oran, il faudra rappeler tout simplement, à Oran, il y a l'une des plus grandes bases navales de la Méditerranée, Mars el Kbir. Et Mars el Kbir est un point chaud à une heure de l'OTAN. Donc c'était ça l'objectif principal de Macron, de M. Macron. Donc il faudrait, voilà, donc on est dans un État, dans des États qui séparent les pouvoirs. Quand il s'agit de la justice, donc Macron n'a de compte à rendre à personne à Alger. Quand il s'agit d'un on peut imaginer tout de même qu'il y a eu des discussions sur ces extraditions, par exemple, parce qu'il y en a plein. Malheureusement, dans une dictature, il pense que les autres vont. Je crois que la dictature, on va peut-être acheter une connivence avec la France, alors que les pouvoirs sont séparés. J'ai une nuance avec Youssef, il le sait, on discute tout le temps, tous. Les Algériens donc font, ça veut dire que le Hirak continue. La nuance est par rapport à ce qui se serait dit sans qu'on l'entende. Donc moi j'aime pas, pour passer à la phase 2 du Hirak, qu'on soit dans les suppositions. Mm-hmm. Il y a effectivement toutes ces dimensions. Mais la vérité est la suivante par rapport à la France. C'est qu'elle défend ses intérêts. D'ailleurs, au-delà de Macron, les partis, on va dire, qui sont amis, les partis de gauche, la plupart, notamment un certain personnage qui reprochait surtout à Macron d'avoir été dépassé par l'Italie pour aller à Alger par rapport au gaz. Et il dit on traite avec ce qu'il y a. Là, moi la question pour les politiques en France, pour le pouvoir en France, et là on le mènera très fort parce que c'est notre rôle dans la diaspora, c'est est-ce que vous êtes sceptique à l'idée que l'Algérie soit une démocratie. Ça, c'est une question à Macron, à toute l'opposition française, et on le mène de front. Est-ce que vous ne supportez pas que l'Algérie puisse être libre et démocratique? Vous avez tout à gagner d'avoir un partenaire fiable à la hauteur, car l'Algérie, les Algériennes et les Algériens ont décidé cela. Je dis juste un petit mot sur par rapport à l'annulation, les annulations successives par rapport au rapporteur de l'ONU. Je pense que c'est un aveu, tout le monde l'a déjà dit, hein, je pensais en parler avant, mais voilà, ça c'est un état de fait. Du coup, quand Tebboune dit que, tout comme je dis Macron, je dis Tebboune, ça personne ne me le changera. Donc l'idée de dire qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion, et il parle de ceux qui insultent. Soit. Il y en a qui insultent. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Il faut voir qu'est-ce qu'il en est dans le fond. Ceux qui insultent, quand ils ont subi, et un juriste est parmi nous, quand quelqu'un subit une offense relevant de droits privés, dans la loi essentielle humaine, et c'est dans toutes les démocraties, le droit donne un certain nombre de choses possibles. Donc qu'est-ce qu'une insulte devant le fait qu'on nous fasse supporter le cadre de Bouteflika? Et on a vu que là, le Hirak qu'on dit Moubarak, on est en train surtout de dévier. Le Hirak Moubarak ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'il continue, parce qu'il porte l'Algérie vers la liberté et la démocratie. Quant à l'Europe, et je finis juste sur ça, il y a une sacrée différence entre la Commission européenne et le Parlement européen. Et là, la France et les pays européens ne sont pas au sommet de la démocratie. Elle est toujours à améliorer. Parce que la Commission européenne, c'est les chefs d'État, elle est constituée notamment par les chefs d'État qui défendent les intérêts de l'Europe, notamment pour le gaz. Et d'ailleurs, je finis la phrase, information capitale, le Parlement européen, lui qui est donc la représentation des différents peuples de l'Europe, il n'a aucun regard
Ça vous fait penser à quelque chose sur Tobon, on y reviendra s'il le faut, s'il y a le temps, sinon notre fois. Il nous reste deux minutes d'émission. Ça va vous rappeler rapidement, quelque chose. S'il vous plaît. Frère, désolé pour votre temps de parole ce soir. Je dirais juste deux choses, ouais. Youssef m'excusera. C'est le Parlement n'a pas regard sur la politique et les relations étrangères, n'a pas regard sur la sécurité et sur la partie interne, parce qu'il y a une démocratie interne en Europe, notamment en France, c'est le cas de le dire. Le mot, c'est le suivant. Il n'en regarde sur le budget que sur les dépenses, pas sur les recettes. Ça veut dire que l'Europe ramène illégalement des choses. Oui, que l'Europe ramène des sous illégalement d'Algérie ou d'ailleurs. Eux, le Parlement qui représente le peuple, s'occupe de la dépense, n'a pas regard sur la recette pour dire c'est antidémocratique, c'est illégal, c'est injuste. Merci. Azine Toumi, 30 secondes, vraiment le mot de la fin. Peut-être la suite, vous le disiez tout à l'heure, c'est de la résistance. D'abord, moi, je ne fais pas d'illusions quant à la position de tous les Occidentaux qui n'ont aucun intérêt qu'il y ait aujourd'hui ou demain la démocratie en Algérie ou ailleurs. Parce qu'eux, ils soutiennent les régimes qui garantissent leurs intérêts le long des siècles. Donc aujourd'hui, je ne me fais pas d'illusions, ils croient aux valeurs humaines, ils croient à la démocratie quand il s'agit de leur population, de leurs citoyens. Quant à nous, ils nous classent dans une autre catégorie. Mais je voudrais dire une chose pour l'histoire. Personne ne pourra se dresser contre la volonté des peuples. Ce pouvoir, il croit être fort et être puissant en s'opposant à la volonté du peuple quand il y avait plus de 20 millions de citoyens dans les rues revendiquant la libération et la démocratie et l'état de droit et le vrai changement. Aujourd'hui, il continue dans cette logique. Moi, je pense que c'est un mauvais choix et je pense que le résultat peut être désastreux pour notre pays. Je pense que le Hirak, on disait souvent que c'est une idée, l'idée ne meurt jamais. Et c'est aussi une chance qui s'est présentée devant l'Algérie. Cette chance, elle est toujours là. Le Hirak, il est toujours dans la tête des gens, cette volonté d'aller vers le changement. Je pense qu'il faut la saisir, il faut donner la chance à cette Algérie. Parce qu'au final, en conclusion, le danger par rapport à nos enfants, réellement, ce n'est pas les images de propagande que nous impose le pouvoir aujourd'hui, mais c'est dans 10, 15, 20 ans. Les futures générations. Merci. N'auront de choix que d'aller fuir le pays, d'aller vers l'Europe ou ailleurs dans ce phénomène qui s'appelle Haraga. Merci Azine Toumi. Maître Rahmoun, je vous dis au revoir. Vous avez 30 secondes, le mot de la fin, vraiment 30 secondes chrono, s'il vous plaît. J'aurai le plaisir de vous réinviter la semaine prochaine, bien évidemment, avec plaisir. Écoutez, si Chabal, on est dans une ère où le développement des pays, l'épanouissement des pays passe par la négation des libertés des citoyens des autres pays. Aujourd'hui, le Hirak, effectivement, a démontré la voie de la prospérité, du développement du citoyen, de l'humain. Aujourd'hui, on est en face de Kemal Korob l'Arbia. Vous avez un rond-point. Il y a ceux qui l'appellent Muftarak Torok, il y a ceux qui l'appellent Multaka Torok. Le régime doit comprendre en fin de compte que les Algériens, ces 40 millions, ces 45 millions d'Algériens, ils veulent une chose, c'est la plus importante. L'épanouissement, le développement, la prospérité, la démocratie, l'état de droit. Et le régime s'entête à dominer, vous savez, l'envie de domination, révélons-nous l'envie de la révolte. Ce qui est à craindre au pays actuellement, et ça sur toute la... Je vous laisse finir là-dessus, Maître Rahmoun. C'est une explosion. Et ça va entraîner toute la région dans l'abîme. Merci Maître Rahmoun. De 19h58, une minute avec vous, Youssef Amar Khodja. On aura le plaisir de se retrouver. Le Hirak aussi peut-être, le peuple, la résistance. Si je peux seulement passer un message, c'est que nous sommes à l'aube du 1er novembre. Et je crois que le peuple algérien a rendez-vous avec son histoire, sa propre histoire.
Le 1er novembre étant celui de la première de la libération de la Terre, j'espère que nous allons reprendre courage et nous allons mener une action pacifique, premièrement pour libérer tous les détenus d'opinion, mais en attendant, je fais appel aussi à ce régime militaire d'anticiper et d'apaiser les choses, c'est-à-dire d'abord de libérer immédiatement, avant le 1er novembre, les otages d'opinion, sans exception. Donc il faut absolument qu'on évite à notre pays d'aller vers une aventure qui pourrait coûter très cher à toute la nation. Merci d'avoir été avec nous, cher Abdelaziz Ouldali, cher Youssef Amar Hodja. Merci à Azdine Toumi, direct d'Algérie. Et merci à Maître Aïssa Rahmoun. On aura le plaisir de se retrouver avec un peu plus de temps, bien évidemment. Merci l'équipe en régie de m'avoir accompagné. Il fallait qu'on parle de liberté, d'état de droit, de liberté, des droits de l'homme. Ce soir, le programme continue sur El Mara Arabiya. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne soirée à tous.